Hello everyone! Plus que dans beaucoup d'autres langues, la difficulté en anglais, c'est la prononciation. Vous l'avez sans doute remarqué dès que vous essayez de parler anglais. Parfois, notre accent, dirais-je, est un peu chancelant. Donc, évidemment, il va falloir connaître la prononciation du vocabulaire que vous apprenez. Ça, c'est la grosse erreur qu'on voit souvent. Vous savez, vous avez un livre. Bon, la méthode a l'air pas mal, mais vous n'avez pas forcément la prononciation. Et ce que vous apprenez, vous l'apprenez pas toujours bien parce que vous ne savez pas le prononcer ou vous le prononcez mal. Du coup, vous prenez de mauvaises habitudes. Donc, quand vous parlez ou quand vous commencez ou recommencez à parler, eh ben, on vous comprend pas. Et là, s'ensuit une situation désagréable, parfois de blocage. Et finalement, il y a une espèce de cercle vicieux et on arrête ou on se dit, oulala, l'anglais à l'oral, c'est vraiment pas terrible. Donc, du coup, une des clés, c'est évidemment connaître la prononciation d'un mot en anglais et je vous propose de voir comment faire dans cette vidéo de manière très concrète. Première chose, vous avez quatre difficultés principales au niveau de la prononciation en anglais. La première, c'est évidemment les sons qui n'existent pas en français et qu'on retrouve dans la langue de Shakespeare, ceux sur lesquels on bute régulièrement, par exemple les fameux TH, regardez. Vert, c'est pas zer, c'est pas faire, c'est pas vert, c'est vert, ok? Vert. Vous passez votre langue entre les dents du bas et les dents du haut et la langue elle va riper sur les dents du haut pour sortir. Vert, vert. Il faut pas hésiter à faire ce son qui est un son vraiment puissant, d'accord? Vert, qui signifie là-bas. Vert. Là-bas. Donc, première difficulté, ces sons qui n'existent pas. Deuxième charme, littéralement, de la langue de Shakespeare, c'est l'accent tonique. Dans tout mot qui a deux syllabes ou plus, vous avez une de ces syllabes qui est accentuée. Et ça, ça fait toute la différence, ça fait le rythme de chaque mot. Et c'est pas une coquetterie. Si vous ne respectez pas cet accent tonique, vous pouvez être sûr que votre prononciation sera mauvaise, d'accord? Donc, regardez, le mot « organisation ». Et si je vous ai mis la phonétique, c'est pas pour rien. Quand vous avez l'apostrophe ici, ça signifie que derrière, donc sur les deux lettres soulignées, vous avez la syllabe qui est porteuse de l'accent tonique. Donc, ça nous donne « organisation ». Vous voyez, il faut vraiment appuyer là-dessus. Parce que si vous faites quelque chose de plat comme en français, « organisation », la personne en face qui est anglophone, pour elle, c'est un mot qu'elle ne connaît pas parce qu'elle ne connaît pas ce rythme. Donc, elle ne peut pas associer dans sa tête rythme et suite de son qui correspond à un mot pour elle en anglais. Organization, ça c'est, vous voyez, notre rythme, ça c'est notre rythme. Et cette suite de son, pour elle, ça n'existe pas parce qu'en fait, vous n'avez même pas mis de rythme. Donc, du coup, les gens, ils tiquent, vous voyez? Et ça, ça vous handicape aussi si vous ne maîtrisez pas au niveau de l'écoute. Parce que écoute et expression sont évidemment les deux faces d'une même pièce. Donc, première, deuxième chose, l'accent tonique au niveau difficulté. Après, évidemment, pardon, vous l'avez remarqué, il y a une grosse différence entre l'orthographe et la façon dont ça se prononce. C'est-à-dire qu'à partir de l'orthographe, on ne peut pas deviner comment prononcer un mot en anglais. Contrairement à des langues comme par exemple l'espagnol, le russe, l'allemand, où c'est assez aisé à partir de l'orthographe de prononcer, ou l'italien par exemple. En français, on a aussi cette difficulté. Regardez le mot, ça c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que pour nous, il est évident, francophone, on ne dit pas beaucoup. Et pourquoi on ne prononce pas le P? Ben, il faut l'apprendre, d'accord? Donc c'est la même chose en français, mais c'est encore plus explicite, c'est encore plus présent en anglais. Et ça, c'est la troisième difficulté. La quatrième étant le fait que l'anglais est parlé dans vraiment beaucoup de pays dans le monde. Donc, un accent écossais est bien différent d'un accent irlandais, d'un accent américain de manière générale, d'un accent dans le sud-est asiatique, d'un accent australien, etc. Donc, ça rajoute là aussi une difficulté. Et c'est ce pourquoi la prononciation et donc aussi la compréhension sont assez difficiles et nous demandent un travail bien spécifique en anglais et d'ailleurs c'est souvent la clé de votre expression à l'oral.
Donc, ce que vous pourriez faire, et moi, ce que je vous recommande chaudement, sous ces airs techniques, c'est en fait assez facile, c'est tout simplement apprendre à lire la phonétique. C'est pas indispensable en soi, mais honnêtement, sans la phonétique, je pense que ça va être difficile. Et c'est tellement une aide précieuse que pourquoi s'en priver, d'accord? Alors, je ne vais pas revenir précisément sur la phonétique parce que je vous ai fait plein de cours pour apprendre les bases de la phonétique. Franchement, c'est assez simple. En une heure, vous maîtrisez ça facilement. Une fois, vous savez déchiffrer si c'est une voyelle courte, une voyelle longue, si vous savez où se trouve l'accent tonique, si vous savez délimiter les syllabes, c'est très simple. Dans la phonétique, quand vous avez des points, en fait, c'est pour délimiter les syllabes. L'apostrophe, ça signifie que la syllabe après est porteuse de l'accent tonique. Quand vous avez, par exemple, une voyelle et avec deux points derrière, ça signifie que c'est une voyelle longue, ce qui n'est pas comme une voyelle courte. Donc, en une heure, vous allez maîtriser vraiment tout ce qu'il faut en phonétique. Donc, allez voir ces vidéos si vous le souhaitez. Je ne peux que vous le conseiller. Donc, maintenant, pour connaître la prononciation d'un mot, comme on a identifié les difficultés, vous avez des dictionnaires classiques. Je vous en donne deux. Mon préféré, c'est sans aucun doute le Cambridge Dictionary. OK? Donc là, vous voyez, vous avez votre apostrophe, ça signifie que la première syllabe, c'est celle qui est porteuse de l'accent tonique. C'est pas dictionary, mais c'est bien dictionary. OK? Et c'est pas Cambridge, c'est Cambridge. Ça, c'est une diphtongue en phonétique, c'est le A, comme le A de oseille. OK? Cambridge Dictionary. C'est celui que j'utilise tout le temps parce que vous avez la forme américaine, la forme britannique. Vous avez des fichiers audio pour chaque accent. Donc, pas tous les accents, mais accent britannique, accent américain. C'est un dictionnaire unilingue. Il a accès gratuitement. Vous avez un accès gratuitement jusqu'à preuve du contraire sur, par exemple, votre ordinateur de bureau, votre portable. Je ne sais pas si c'est le cas sur mobile, mais si vous allez dans le navigateur et vous faites Cambridge Dictionary, je pense que ça fonctionne de la même façon pour l'application. Par contre, je ne suis pas sûr. Mais vous avez l'audio, vous avez comme ça un dictionnaire unilingue, vous avez des exemples en anglais et la définition en anglais. Donc, c'est vraiment bien parce que vous sortez pas de l'anglais. Parce que évidemment, quand on veut comprendre plus facilement vers sa langue d'origine, donc on veut la définition en français, la traduction, mais c'est pas forcément vous rendre service. Donc, sachez que là, on est plus sur un dictionnaire unilingue. Je vous en donne un second qui est pas mal du tout, c'est le Merriam-Webster que vous pouvez aussi utiliser. Vous avez le site internet qui se trouve ici. Et évidemment, vous pouvez récupérer toutes les diapositives de ce cours en cliquant sur le « i » en haut à droite. Si vous ne voyez pas le « i » en haut à droite, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. OK? Donc là, même chose aussi, regardez la phonétique, par exemple avec le Cambridge Dictionary. Elle est indiquée pour la version britannique, elle est indiquée pour la version américaine. Franchement, je ne peux, encore une fois, je sais que je radote, que vous le recommander. Deuxième possibilité, les dictionnaires dits alternatifs. Alors attention, alternatifs, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Ça veut dire qu'on sort du dictionnaire classique. Et là, vous en avez trois que vous pourriez utiliser. Vous en avez d'autres aussi, mais je vous en donne trois. Le but, c'est pas d'être exhaustif dans les ressources que je vous propose, mais c'est vous proposer des ressources que vous pouvez utiliser tout de suite pour tel objectif, parce que du coup, vous êtes sûr de la qualité. Donc, le premier, c'est Word Reference. Donc là, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez plein d'autres accent et que vous pouvez ajuster la vitesse de lecture. D'accord? Donc, c'est un dictionnaire qui est vraiment très, très riche. Le deuxième, c'est Forvo. Alors là, on est plus dans le dictionnaire ou la banque de données, dirais-je plutôt communautaire, à savoir que vous pouvez vous-même soumettre un mot, une phrase. C'est ce qui a été fait par les quasiment millions d'utilisateurs avant vous. Et des membres de la communauté qui sont des native speakers, des gens dont l'anglais est la langue maternelle, vont lire ces mots et du coup, vous derrière, par exemple, vous cherchez le mot native, vous allez dans Forvo, native, et là, vous allez avoir
2, 5, 10 exemples de personnes qui sont des native speakers et qui l'ont lu pour vous avec à chaque fois l'indication de l'accent. Est-ce que c'est une prononciation britannique, américaine, etc. Donc là, vous êtes vraiment dans du concret, dans du pratico-pratique. On n'est pas dans le dictionnaire académique. C'est OK, je veux savoir comment ça se prononce. Je veux entendre des gens, des vrais gens le prononcer. Je vais sur forvo.com. Et vous avez aussi un cran plus loin, dirais-je, youglish.com, où là, en fait, vous cherchez un mot, une expression et l'algorithme, il va vous dégoter un contenu sur Internet dans lequel vous avez ce mot, cette expression. Donc, vous allez pouvoir écouter la prononciation. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça va vous aider pour comprendre le sens parce que vous allez avoir du contexte. Comme ce mot, cette expression est au sein d'un contenu qui est disponible sur Internet. Hein, ça peut être vraiment, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Donc là, ça peut être aussi complété, vous voyez, ces dictionnaires alternatifs par le fait d'aller rechercher tout simplement la prononciation et donc la définition dans un dictionnaire plus académique, d'accord ? Donc là, vraiment, vous avez ces deux outils académiques, ces trois outils alternatifs pour trouver la prononciation qui sont parfaits. Et tout ça, c'est en libre accès jusqu'à preuve du contraire. Donc, essayez, c'est les adopter. N'oubliez jamais la phonétique, chers amis. Et évidemment, ce qui fait toute la différence, parce que prononcer, savoir prononcer, c'est savoir mieux écouter. Savoir écouter, c'est aussi savoir prononcer. Ce que je vous conseille de faire, comme en anglais, on a une énorme distance entre l'orthographe et la façon dont ça se prononce, eh ben, on apprend beaucoup, en fait, de la prononciation et donc de l'écoute sur le tas. Donc, il faut s'immerger avec le plus de régularité possible. Voilà, je cherchais mes mots dans du contenu, en anglais. D'accord? C'est tout simple. Ça peut être comme d'habitude, hein, là aussi il n'y a pas de secret, mais c'est la régularité et ça va être par exemple une série que vous aimez bien, mais que vous regardez souvent. Si vous avez une passion, l'équitation, le billard, les fléchettes, la cuisine, la décoration, les voitures, la mécanique, etc., les maisons en allumettes, les bâtiments, les chemins de fer, vous savez les my God. Je trouve plus le mot en français, les trains, voilà, les petits trains, etc. Allez voir des contenus en anglais le plus régulièrement possible. Et pour ça, vous avez plein de médias différents. Vous avez évidemment YouTube, mais vous avez aussi Instagram. Vous avez des contenus très courts, TikTok. Vous avez des contenus très courts, d'accord ? Vous avez tout ce qui est podcast, livre audio. Alors là, sélectionnez bien un contenu qui vous plaît et qui est adapté à votre niveau. Évidemment, les émissions télé, je serai vous, surtout si vous êtes débutant, pré-intermédiaire, je privilégierai, oui, voilà, les dessins animés et aussi après les séries et les films, je les mets entre parenthèses parce qu'il y a une espèce de, regardez, dessin animé est plus facile qu'une série. Il est plus facile qu'un film. Un film, vous avez une histoire longue. Donc, pour le cerveau, c'est dur. Une heure et demie d'anglais pour encaisser ça, c'est costaud. Vous avez une histoire qui n'est pas forcément simple à comprendre. Et vous avez un anglais qui souvent est très contextuel. Si vous avez un film policier des années 60, c'est pas le plus facile à comprendre. Alors qu'un dessin animé, on est sur du vocabulaire simple, c'est fait pour les enfants, c'est court, l'histoire est simple à suivre. Et les séries, on est entre les deux. Donc, privilégiez dans la mesure du possible des dessins animés ou des contenus courts parce que ça vous plaît pas forcément. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur Instagram, sur TikTok. Peut-être que vous trouverez plus chaussures à votre pied avec des podcasts ou des livres audio. Évidemment, après, c'est à vous en fonction de ce que vous aimez. Donc, il faut essayer d'utiliser tel ou tel contenu. Mais évidemment, comme encore une fois, vous avez cette énorme différence entre l'orthographe et la façon dont ça se prononce. Et en fait, il faut apprendre la prononciation de chaque mot en anglais un peu un par un, exactement comme un enfant qui apprend les mots de sa langue maternelle.
Il faut le faire avec de la régularité et donc il faut le faire avec de l'écoute. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de règle facile, malheureusement. C'est une des difficultés, c'est la difficulté même majeure de l'anglais. C'est comment ça se prononce. Et aujourd'hui, je voulais donc vous donner tous ces outils pour savoir comment trouver la prononciation, comment connaître, comment savoir dire un mot en anglais. Donc maintenant, vous avez tout à votre disposition. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous. Chers amis, je reste à votre disposition. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger les 4 slides. Une slide, c'est une diapositive de ce cours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, on se retrouve très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.